Conversion de volume. Je voudrais donc convertir 10,3 litres en millilitres. Je repère le chiffre de l'unité, 0, que je vais mettre dans la colonne de l'unité litres. Je place le 0. Je place les autres chiffres, un par colonne. Je veux convertir en millilitres, donc je mets la virgule dans la colonne des millilitres, puis je place les zéros nécessaires. J'obtiens donc 10 300 millilitres. Je voudrais convertir 0,086 kilolitres en litres. Je repère le chiffre de l'unité, 0, que je vais placer dans la colonne de l'unité kilolitres. Je place les autres chiffres, un par colonne. Je place ensuite la virgule dans la colonne des litres et cela me fait donc 86 litres. Je voudrais convertir 2,3 millilitres en décilitres. Je repère le chiffre de l'unité que je place dans la colonne de l'unité millilitres. Je place l'autre chiffre à côté. Je mets la virgule dans décilitres. Je rajoute les zéros. Et je trouve 0,023 décilitres. Je voudrais convertir 56 décalitres en centilitres. Je repère le chiffre de l'unité. Je le place dans la colonne de l'unité décalitres. Je place l'autre chiffre à côté. Je mets la virgule dans centilitres. Puis je rajoute les zéros nécessaires. Je trouve donc que ça fait 56 000 centilitres.